Mama assistant des Suisses. Assistant. Allez à Kabilo, Koyamoka, yeah. Yo, y'a un safu, yo. Oyebisafu. 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 Mama, hein. Yeah, archi tendance. Bonjour mes archis. Lelo et Paya. Maman archi tendance. Naza un jeune garçon n'angai. Alinga mi kolian tsaramadis. Naza vraiment fatigué. Na lobby été na na makasi ya osala tsaramadis te. Soko lin kolian tsaki madesu. Il faut yomoko olamba ntaki madesu. Yango nazula kisae ndenge nini balamba ntaki madesu. Tellement linga kango minga e bape kolamba ngo yango to bandi. Étape numéro 1 ko sala Thompson. Salut, tu veux que je te filme? Tu dois traduire, non? Et on vient ici alors, on te voit. Voilà. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, ma mère va m'apprendre à cuisiner quelques nourritures africaines, spécialement le pondo à madesu chez nous. Donc c'est un mélange en fait de feuilles de manioc et d'haricots. Et je vais faire du poisson aussi. So, let's go. What's up here? Today, my mom will teach me cooking some African stuff. So, let's go. Let's do it. Voilà. Thompson, bando ça la Thompson opération. So, maintenant je dois quoi? Je dois nettoyer le poule de. Non, non, fungola na kati. Comme ça? Oui, balou ça montez à la kotase. Like this. Voilà, asna la kisa yo. Après. Ouais, fungola estomac ya. Ouais, ah. Ici. Ouais, voilà. Fungola. Aïe. Là, on l'a fungola na lingala yo zolo banana français. Ouais, donc je coupe au niveau de. De quoi? De l'estomac, c'est ça? Oui. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Ouais, la tête estomac, ceux qui parlent créer à faire le cataracte. Vous avez compris quoi? Je coupe là comme ça. La tête doit être vers le bas, donc la tête doit regarder vers moi. Mm-hmm. Je crois que c'est un détail qui est important. Ouais. Et je coupe du milieu là. Oui. Du milieu du poisson jusqu'à tout en haut. Mm-hmm. Là. Tout en bas. Enfin, jusqu'à la tête quoi. Oui. Là, vous voyez déjà, ça saigne déjà. Oui. Dégueulasse. Ouais. Tu ouvres. Waouh! J'ouvre avec les mains. Oui. Oh God. Tu fais sortir tous les trucs qui sont là dedans. Genre. Oui, mais ça salit nous c'est ça. Alors il y a une technique genre vous mettez le doigt comme ça c'est ça. Oui. Et vous allez depuis le début. Mm-hmm. Et vous glissez en fait comme ça. Mm-hmm. Vous faites tout sortir. Mm-hmm. Voilà il faut tirer un peu. Mm-hmm. Donc le truc c'est que c'est bon à manger. Mm-hmm. Là, c'est galère à préparer. Ça aussi je tire non. Oui. Donc là ma toko loana. Voilà, l'on voit l'alliance. Ouais, ça c'est le gros un peu qui ouais, sort. Ouais. Tu les poses là, pour les tiens, ouais. Ouais, c'est bon. Mm-hmm. Et après. Fungola maï, pour ça va bien. On sera moi, j'ai été mana maï pour. Voilà. Makila va nous kendera. Donc là, je tourne la tête comme ça. Ouais, fungola en fait, comme ça. Et là, je nettoie un peu le reste du sang qu'il y a là. Mm-hmm. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si on ne nettoie pas ça. Quand on va cuisiner le poisson, il aura un goût un peu amer. En fait, amer, il aura un goût carrément amer en fait. Et ça, un azeï. Ouais. Comme ça, on a un azeï, ma casse, sur ce que l'on a bien fait. Donc, ouais, des petits trucs comme ça là. Bien fait. Il faut enlever. Mm-hmm. En fait, il y a des fois, des gens, ils assaisonnent bien leur poisson, mais ça n'a pas un bon goût parce que ça n'a pas été bien nettoyé à l'intérieur en fait. On l'a mis. Non, on garde tout. Les œufs, c'est bon, hein, c'est jamais. Mm-hmm. Ouais. Voilà. Ça c'est bon, non? D'accord, na kati. Non, ce que wana bon on a des sakambeli. Oula. Ouais, na des sakambeli, tourne le poisson comme tu. Le ndenge zaki na position poisson laki. Ouais. Voilà, ce que le sakambeli na kati wana. Ici. Ouais. Comme ça. Ouais, tiens na mai le kaka. Voilà, pour longa ba makila wana. Ah, le truc noir là. Voilà. Ah, OK. Mhm. Bam. Ah ouais, tout ça les poissons à biso pour vidéo et que nous cicatez comme ça on a tiré une pause tout ça la nuance au Italie après Tozoya chez maman archi tendance allez à Kabilo Koyamboka hier les lotos à Colian Sakamadesu Sakamadesu oyebintaki na Thompson yes voilà tout comme une soukka pendant qu'on raccourcit vidéo
asali 4 oyo oya suka boma nyanga zo sala yoyo yona zo sala sente fait. Ouais, donc voilà, il faut, ce qu'on n'a pas dit dans la le début, c'est qu'il faut aussi enlever ça. Bon, pour nous c'est logique, mais faut le dire quand même, faut enlever ça, voilà. Donc là on arrache juste comme ça et ça s'enlève tout seul. Ok, donc après là c'est le même principe qu'on explique au début. Bam, bam. Laissez couler l'eau comme ça, il y a le, tout ce qui est sang, tout ça là, ça sort directement. Donc voilà, on enlève l'intérieur. Je fais un peu vite pour la vidéo. Mais l'idée c'est vraiment de bien nettoyer l'intérieur, c'est important. Vous voyez tout ce qui peut sortir. Voilà, donc comme ça, hop, on va en fond et on va en fond. Voilà. Ça là, ça il faut vraiment enlever ça, c'est important. Après voilà, donc c'est un peu ça. Et en fait, ce qu'elle expliquait avec le couteau, c'est ça. Vous voyez le truc noir là au fond, en fait, il faut racler avec le couteau. Bon, là, je ne le fais pas dans l'eau pour vous montrer, mais vous raclez comme ça. Et maintenant, vous faites en même temps, vous mettez l'eau. Vous voyez? Pour vraiment que ça soit clean, quoi. Voilà, donc on se revoit pour la prochaine étape. Hein? Ah oui, et puis les yeux, bah, pour ceux qui veulent enlever les yeux, c'est pas... bon, alors vous mettez juste le pouce, vous enfoncez et c'est dehors. Voilà, au long de l'année, on a été et pour les colonnes, ma banico en a les colonnes. Ça, ah ouais, donc faut juste en gros, tu peux faire ça. Maman, tu as dit poisson à biso. Balingaka kulia bai bapende nene balambaka yango lelo mama archi tendance na Jonathan bazo lamba msaki Madesu. A tout de suite na deuxième étape na biso ndenge toza wana deja Madesu na biso yango tosto tokiseki Madesu na biso yango totokisi et après tozoya na deuxième étape, il y a Pondou. Bisous à tout à l'heure. Deuxième étape, Nabiso Thompson va soukola kango na vinaigre pour na kolongola zé vinaigre. Donc là, la deuxième étape, du poisson, ça se lave au sec hein, avec du vinaigre pour enlever en fait tout ce qui est amer en fait dans ce poisson. Zé, c'est pas amer. Si. Zé, c'est amer. Si. Ah, ok. Tu vas être en français. On ne peut pas prendre pas en haut. On met un peu de vinaigre et puis voilà. On plonge dans l'eau. Dans l'eau. Il m'a dit. Je rajoute encore un peu. Non, ça, c'est bon. Ok. On a aussi en haut quelques minutes. Ouais. Après, tu vas commencer en haut pour ta deuxième partie où il y a Pondou. A tout à l'heure, bisous. Ouais, attends. Ok. Ce que là, on a Pondou, là, Sokola on y se mis à toka mbala mokto sa la vite fait. En gros, ouais, je lance le sac, quoi. Mm-hmm. C'est pas... l'étape du pondu. Oui. On se mis à toka mbala. On a mouna bala ki sa ka, ba na basi, tout la ki sa pe ba na biswa mi bali. De nini ako lamba. Zamba ako sunga ye, ako kuta na na. Ako sunga pe, molonga nina ye. Ce qui a été moulonga n'est pas ébi, et ça m'a makasi. Ou juste cuisiner pour moi, ça va très bien aussi. C'est non. Pas toujours une histoire de non, femme. Non, non, tu mets pas tes commentaires. C'est mes vidéos, c'est ouais. Moi qui parle. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, si je te montre, c'est pas beaucoup pour toi, mais pour l'avenir, dans l'avenir, tu vas pas vivre toute seule. Tu vas avoir une femme avec des enfants. Moi, ça, quoi, que la côte à un hôpital, à quel bota, c'est tout le quoi. Et basé, moussous, moi, ça, l'inga olamba. T'es commandé olamba. Olamba, c'est quoi pour n'ayons, moi, pour n'abanana yo. Voilà. Tu marques un point. Ouais.
Oh, bah maman, bokilo. On m'a na ola que c'est l'homme sale. N'y a pas de bonheur, on a oué aïe. Ouais. Comme 2021, les filles, la cuisine, on sait pas ça veut dire quoi. Bah nous, on fait à manger. Hein. Après. Ouais, ouais après, tchamaï. Tchamaï, ok. C'est bon, maïmingité. Pour le cas où on a besoin vraiment et où me la mingi, on a besoin de la toxicité, on a besoin de la. Interprétez, s'il vous plaît. Ok, comme nos pondous viennent, enfin, ce ne sont pas des légumes frais, ce qu'on fait en fait, c'est que, au première étape, on met de l'eau, on va faire bouillir et puis on va jeter l'eau en fait, pour nettoyer un peu plus le pondou. Quoi. Ah, viens. Tiens, on a réchaud la biseau. Voilà. Donc en parallèle, il y a déjà les haricots ici, hein, qu'on a fait bouillir avec de l'eau à un feu très bas pendant environ 2-3 heures, quelque chose comme ça. Ça prend du temps. On fait une vidéo courte, mais ça prend vraiment du temps de préparer. D'accord, tu finis qui pondou na biso. Tant que tu finis qui pondou na biso, au coquille au cobanda vite fait, au kata, au chocolat biloko, tout ça, non, pondou ma dessous, au chocolat banini. Bah, aubergine, baba. C'est tout ça, quoi. Ouais. Et donc, ça, c'est les légumes qu'on utilise. Donc, il y a quoi? Des aubergines, des poireaux. Et ça, c'est quoi? Comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça oignon sauvage. Bref, c'est des oignons, quoi. Avec leur. C'est bien comme un dembi. C'est un dembi, un bisou. Vous, les spécialistes des légumes, fungola, fungola, fungola. Fungola, fungola, wana. Voilà, hop. Bakataka, pendant ce que l'on voit bien, faut qu'on mette tout, faut l'on la oui, ka, ok, oui. Ouais. Ça, là, ouais. ça c'est inutile, on enlève. Et les parties en haut aussi. Ouais. Puis c'est mort, on coupe. Mm-hmm. Donc, comme ça, c'est ça? Ouais. Ça doit ressembler à ça, à peu près. Katamuto, wana. Donc, je fais ça avec tous les légumes. Pour toi, tu lui donner un peu de la côte. Là, je fais un exemplaire. Azo chocolat. Enfin, notre exemplaire de ça aussi. Ça, je coupe ici. Oui. Parce que ça, c'est la partie qu'on va utiliser. Ce qui a ici, c'est qu'on a dit ça. Après, là, je vais le couper. Ça, tu planches. En principe, nous, on le coupe comme ça. Et après, on tranche. Là, je vous montre juste pour la vidéo. Je vais faire ça bien après. Et bah pareil ici, hein, bah vous savez comment couper. Ouais. Donc voilà. Je tiens un peu stop pour vidéo dans le saut et voilà. À suivre. À suivre tout à l'heure. Pause. Hein. Kata, on vite fait comme ça. Donc là, en fait, on coupe juste les légumes histoire de les mettre dans le mixeur après. Donc, c'est pas des coupes précises ou belles, hein. C'est juste, faut juste couper histoire de les mettre dans le mixeur. C'est tout. Donc là, je suis presque au bout et puis après, on va mixer tout ça. Bon, tu crois que la vidéo vite fait, non? Regarde sa vidéo, il est vite fait. Hein? Ouais. D'accord. Voilà, pour les légumes, c'est bon. Bon, ça, c'est les déchets. Et ça, c'est les légumes qu'on a découpés comme ça. Et là, maintenant, on va tout balancer dans le mixeur. Tout mixer, bah, les légumes, la pisse, comme ça. Moi, ça n'aime. Tu vas mettre, on va tout mettre en même temps? Non, non, comme ça, petit, non, hein. non. Il faut mettre petit à petit, non? Ça dépend de la taille de votre mixeur en gros, mais si vous avez vraiment trop de légumes et la taille du mixeur est petite, bah, vous commencez avec un peu, ça mixe et vous ajoutez au fur et à mesure. Attends, c'est les a bien na balsa caméra. Voilà. Bon, on a fait mieux de mixer. Alors,
Ça n'a qu'à ça, ça n'a pas de mettre. Je dois mettre un peu d'eau sinon. Oui. Donc, allez. Je mets un peu d'eau. Comment. Histoire de. Plus encore ou bien c'est bon? Là c'est bon déjà, non? Non, encore. Encore, ok. Oh. Ah, donc je rajoute de l'eau. Pour que. Voilà. Je vais mettre comme ça vous allez voir. Bah, je ferme le mixeur et puis go quoi. Des fois, quand ça tourne un peu dans le vide, vous vous arrêtez. Ah bon, stop. Ouais. Ce qu'on a monné pour nous, on a pu aller déjà prêt pour la. Attends. Donc là. Pour le bon mollet, oui, il y a quand même. C'est ce qu'on a expliqué avant. Là, on a fait bouillir le pondo pour nettoyer un peu. Donc, on va ajouter de l'eau. Et voilà. Oh, c'est long. Hein. Non, arrête. Je crois que les garçons, on est plus dispo à apprendre à cuisiner. Donc, les garçons, mettez des commentaires. Donnez-moi de la force, s'il vous plaît. C'est vrai, si on a bien compris, on a apprendre. On a raison. Bon, après, moi, je suis curieux. Hein. Et j'aime bien faire à manger pour moi-même aussi. C'est bon. Voilà, donc. On remet de l'eau. Là, madame fait des côtés, même si elle a l'amba bouillé, vous avez un autre là, et puis ça va moins se force. Et moi, ça l'amba, et on va dire la cuisine aux humains, au tchè du colo, il y a mis ça, non? Ah, nature, maille, belé, d'un petit coup, nature, maille, tout le monde, tchè, maille, belé, n'aba, nanini, na légumes. Ouais, comme on a déjà mis de l'eau dans les légumes, faut pas mettre trop d'eau. C'est bon? Oui, c'est quoi? Je vais vous faire des légumes. Ouais. Bah, du coup, là, c'est bon, non? Bah, je vais voir quoi. Attends. On fait comment ton truc aussi? Bref. Il faut quand même ma casse, quoi, ça pour mixer, parce que quand même ma casse, c'est quoi. Vous voyez, on va venir quoi, gicler. Ouais. Ça s'enlève juste ou ouais. Ça s'enlève. Jusqu'à ça. Ah, ouais, c'est comme bon, ça. Vous voyez un peu. Tiens. Et je mets tout. Oups, pardon. Ça, c'est une heure.
Non, maman, c'est pas ce qu'on mixe. Ah, je voulais plus mixer, ça fait beaucoup. Tu mixes encore les autres? Okay. Donc là, de nouveau, rebelote. Je sais pas comment elle fait, mais moi je renverse tout, quoi. Je fais tout tomber. Donc, excusez-moi pour la délicatesse. J'ajoute encore? Oui, tiens, Nyons. Je mets tout? Finalement, ma pote, tiens, Maï. Elle connaît sa machine, moi. Voilà, comme ça. Tiens, Maï. C'est bon là? C'est pour ça qu'on ne mettait pas beaucoup d'eau avant, parce qu'on a déjà mis de l'eau ici et puis on va renverser là-bas, donc c'est comme si on mettait doublement de l'eau, quoi. Donc du coup là, ouais, quand là. Un peu de force. J'ouvre ici. Oh, mais voilà. Ouais. Je mets de l'eau. Tiens, t'as étonné ça, l'autre. Oui, mixer bien ça. Vite. Là, du coup, je recommence. Je crois que c'est bon là. C'est bon. Ouais. Yakucha. Biso tozaba luba, batama tamba. Mais tozaba congolais. Ma congolais to lia kabilo konyoso, baluba moko balinga ntia ki madezo. Je mets de l'eau. Pour mettre le reste ou pas? Oui, un peu, non? Ouais, un peu. Non, ne mets pas de l'eau parce qu'on va mixer encore quelque chose. Je vais tenir comme ça, je vais peut-être filmer la carte. Bon, là, voilà, là j'ai mixé les légumes, je les ai mis là-dedans et puis. Après, elle va rajouter encore des autres légumes. Ça prend vraiment du temps. Donc, moi, comme c'est une première, y a des trucs que je fais juste une fois. Après, c'est elle qui fait. Puisque j'ai la pratique, quoi. Pour qu'on gagne du temps parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Je peux dire, franchement, ça prend une demi-journée entière. Ça prend une demi-journée de préparer des plats africains. C'est ça aussi que je fais, je pense qu'il fait aussi que cette nourriture elle est autant consistante et riche et qu'elle peut en fait être conservée pendant plusieurs semaines parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on ça se fait avec beaucoup de temps et beaucoup de soin. Donc c'est ce que j'appelle cuisiner avec amour. Alors là on peut pas dire que c'est du fast food, hein. C'est pas du McDo, c'est pas du KFC, c'est pas du Burger King.
Franchement, les gars, dites merci à nos mamans, dites merci à vos femmes. Merci à toutes les femmes africaines qui prennent le temps de faire cette nourriture. Merci à toutes les femmes en général qui prennent le temps de faire à manger. Parce que c'est pas des lols, quoi. Et puis cuisiner, c'est pas un truc des femmes, c'est un truc de tout le monde, je trouve. Moi, perso, j'aime bien, c'est cool. Donc, c'est ça. En 2021, il n'y a plus de débat de la place de la femme, c'est à la cuisine. Ah. La place de la femme. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Non, la place de l'homme, c'est dans les toilettes. Voilà. Bref. Place de l'homme, c'est dans la dans les toilettes ou dans la toilette? Ah, dans les toilettes. Laisse tomber, laisse tomber. Bref. La place de l'homme, c'est dans les toilettes. Pour ceux qui ont la référence, vous avez compris, mais en gros, c'est pour dire qu'il n'y a pas de place de femme dans la cuisine. En fait, la cuisine, c'est un endroit comme. Non, parce que si ça m'en place. Non, c'est dans la place de la femme, c'est ça dans la cuisine. C'est pas un débat. Je vais cuisiner beaucoup. Qu'est-ce que l'homme, il va aller faire? Il va aller dormir dans les toilettes, il va tellement manger. C'est pas le débat. Il va avoir mal au ventre. Vraiment, mes oreilles, tu parles super fort. Bref. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en fait, cuisiner, ça peut être autant pour les mecs que pour les filles. Donc, c'est cool. Ah, c'est chauffé, la machine. C'est cool. Ah, il a oublié de chauffer ma case. Tellement, ok. Mais ça va. Ouais. Mmh, bah, ta machine, là aussi, ouais, il faut la vendre. Il a chauffé ma case au monde. Eh, tout ça passe à tourner, 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 tourner. Non, et peut-être, Nanini. Sauf que tu m'as invité. Ouais, et ça, la vanille, boy. Chauffer. Là, maintenant, il faut laisser refroidir. Ouais, en attendant, net, boy. Donc, tu as déjà. Nini. Ma foutu en bille, là. Les allées, ouais. Voilà, donc, on utilise de l'huile de palme. Tu peux tourner la bouteille, s'il te plaît, maman. Voilà, donc, vous choisissez le modèle que vous voulez, mais ça, c'est ce que ma maman a acheté. Tu as déjà. Ma foutu en bille. Donc, voilà, de l'huile de palme. La pondo. Vous devez savoir que chez les Congolais, alors je ne peux pas parler pour les autres Africains, je ne sais pas, mais vous devez savoir que chez les Congolais, tout ce qui est mesure d'huile, de sel, de machin, c'est tout fait à l'œil. Hein. Donc franchement, ce n'est pas un truc où. Bref, c'est fait à l'œil et c'est vraiment super bon. Et pour vous dire à quel point, en fait, les gens savent ce qu'ils font. Parce qu'on a l'impression que c'est fait au hasard, mais pas du tout. Elle sait exactement la quantité qu'elle a mise parce que c'est une question d'habitude, quoi. Il n'y a pas de 10 grammes de ceci, 5 grammes de cela. Et puis, comme vous pouvez voir, on cuisine toujours en gros. Genre, c'est des big casseroles. Genre, ça cuisine toujours en gros. C'est des trucs, ça prend tellement de temps à faire. Tu peux pas cuisiner genre pour deux personnes parce que c'est vraiment genre du temps perdu. C'est pas rentable. Donc, il faut vraiment genre faire ça en gros. Genre pour, tu vois. Nous, on est 7 à la maison, donc... Vous imaginez? Mais maman, c'est quand qu'on va touiller? Pardon? C'est quand qu'on va touiller? On va faire quoi? Kubalusa. Oui, non, balsa, t'es à Pondo. Oh, on a un la déjà un bis, n'a rien à Kukaoka. Donc, ça, c'est de la viande séchée. De la viande, poisson. Je recommence. C'est du poisson. On a un chocolat à déjà un bis, n'a rien à Kukaoka, n'a rien à congélateur. C'est du poisson chat, hein? Oui, Mungusu. Hein? Mungusu. Et Mungo, c'est pas un poisson chat, même si on a pensé à avoir bien à Mungo. Bon, so, whatever. Ouais, c'est un peu comme ça. Mbis, on a un congélateur. On a ça. Congolese people, non. Les Congolais savent c'est quoi. Donc, le Mbis, y'a Kokaoka, Mungusu. Je sais pas du tout comment ça s'appelle en français. Si vous savez, mettez en commentaire, s'il vous plaît, comme ça on peut aider les noms lingolophones. Thank you. So, après, on va touiller tout ça. Donc voilà, là c'est la prochaine étape du poisson. Nachaona mai tokotokisango après ne toya ko trier ba ngana tokisaka après pone ko ya ko trier kulungula ba mikua kulungula ba mikua nous après ko ya ko sala mélange tantôt ça la trine son à Thompson bo monango à tout à l'heure. Donc ça c'est le poisson qu'on va utiliser pour mettre dans le pondo. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait bouillir avec de l'eau pour ensuite enlever en fait tout ce qui est écaille et puis mettre uniquement le poisson dans le pondo. Donc on voit ça tout à l'heure. So right in the process. Donc là, en pleine démarche. Oh, c'est super long.
c'est vraiment lent. Encore ici. Voilà. Regarde ça. Tu as commandé son abysso. Ça, en gros, on a la cuisse. On a fait les cuisses. On a un petit garçon. Il y a eu mon colo. Commande un chagamade, son volet, on a ton son. On a un assaisonnement en gai, na nikisaki. Comment on appelle ça? Oignon sauvage. Na citron. Na nini, na végétal. Il y a mon assaisonné en go, bidoko. En gai, oyo. Et citron, et ça. Ça c'est pour l'assaisonnement. Pour l'assaisonnement. Le poisson, il y a du poulet. Ouais, le résultat c'est ça. On a bon nama. Voilà. Nana, c'est une mixture avec plein de légumes. Voilà. On a assaisonné, c'est pika vite fait sous son nama. Je vais vous donner un peu de temps. Hop. Donc assaisonnement du poisson, donc bien à l'intérieur, là on a nettoyé avant. Et voilà, on a fait des petites coupures des côtés aussi pour faire entrer l'assaisonnement. Incision. Des incisions sur les côtés. Voilà. T'as vu, hein? Pour les spécialistes en cuisine et puis en charcuterie, en découpage des choses. Voilà. C'est tellement bon ce truc, c'est incroyable, quoi. Ça, c'est la cuisine pour les garçons. Les filles, elles ont déjà des vidéos plein, plein, plein. Donc, ça, c'est pour nous, les garçons. Ouais. Voilà, donc c'est moi qui ai demandé. Alors là, on va vous en montrer juste une. Hein, après. Donc là, c'est vraiment de la chirurgie, quoi. Et en fait, le fait de bouillir le poisson, ça nous aide à le faire plus facilement, en fait. Voilà. C'est tout simplement ça. Vous voyez. Voilà. Ouais, c'est super chaud, hein, donc. Et moi, papa, il faut qu'on...
faut respecter vos femmes. Maman, faut leur amener des fleurs. Parce que là, franchement, le taf qu'elles font, c'est incroyable. Voilà. Tout ça, les cas à mon corps pour nous voir ça. Et le reste, tout ça, l'amour, vite fait. Ok, ça marche. Allez. Bah. Ah non, ça la poisson, on a vite fait. Non, ça la pas mon corps. Ça, c'est un autre poisson, c'est pas le même poisson que tout à l'heure. Dorado, hein. Royal Dorado. Moi, je mange pas ça, perso. Ouais, ouais, ça pour un papa à Van, hein. C'est mon père qui mange ça. Ouais, ça c'est pour mon père. Moi je mange pas ça. C'est... Moi je suis... En fait je suis pas un fan de poisson déjà de base. Mais c'est vrai que le seul poisson que j'aime beaucoup c'est le Thompson quoi. Donc après tout le reste là c'est leurs histoires. Ouais, c'est le même principe de nettoyage. C'est quoi le Thompson en français? Ça se dit en français même? Attends, en portugais c'est carapa ou en français c'est... Oh non, attends, le Thompson en français? Bon, whatever. J'ai oublié. So, whatever. Pour ceux qui savent, mettez en commentaire de nouveau. Donc, ouais. Allez hop. Chez nous-mêmes, il n'y a pas de commentaire. Hein? Pour moi, ouais. Bon, bah, vous envoyez un mail. Ouais, voilà. Tati Boye. Et nous avons saisonné en haut. Vite fait. Après, nous avons saisonné dans ma vinaigre. Nous avons saisonné. Après, tant que comme nous sommes prêts, tout quoi, la vidéo. Voilà, donc la même chanson. N'oubliez pas de vous abonner, de suivre, de liker et de partager. On revient tout à l'heure. Voilà. Ah ouais. On fait... Épicé, hein? Yeah. Voilà. Poisson. Matos. Là, qui te font manquer à rien. Bien beau, yo. C'est encore un dingue à mon corps. Avec piste, on a besoin d'un cas, on a besoin d'un cas, on a mixer. Bandel, vinangai, na citron, na végétal. Photo yaya kuna, azo kuna. Je suis en train d'enlever les écailles. Poisson. Comme montré précédemment. Voilà. Bien voyé. Chaque place va me dire pour tchatcha na kati. Et quand on va la vidéo, on va me soussou. Pour moi, la maman zo lamba na ka belo na moutou. Et na évite. Ka belo wana, biso ba maman to ome la pe ma pon au somba. Sko lamba na ka belo, ya ya. Donc peut-être Zaka, Olamba Ramayo, normal, Oya Kako, Bochano Kabelo, si ma pona montage, comme ma belle banane a dit, so va, quand on est beau présenté, on est à Zuedi, à cause de la carte, on est au présenté. Quand on est au présenté, on est à Zuedi.
Oko dans la vidéo, hein. Bonjour, Oko dans la vidéo. What's up? Yo. Yango, yo. Yango, yo. C'est une escoyo. On a salé. Yango, yo. Yango, yo. Na, pis na biso. Yaya, yewana. C'est vraiment plus facile que... Et là, ça nous montre l'opération. Donc c'est bon. En fait, là, l'apparence, on s'en fiche un peu parce que ça va se mélanger de toute façon. Mais c'est, le but, c'est vraiment juste d'enlever les écailles. Voilà, les écailles. Donc c'est assez facile une fois que c'est chaud, quoi. Donc là, j'ai fait ça assez rapidement. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas compliqué. Hein. J'avais l'impression que c'était compliqué, mais en le faisant moi-même, en fait, en tirant comme ça, en se coupant, ça part assez vite. Donc, non, franchement, en faisant ça, big respect à nos mamans. Elles font du taf. Elles font vraiment du taf. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Dites-vous que moi qui suis sportif, je suis fatigué là. Tu fais quel sport? Allez, t'es sportif. Tu fais quel sport? Moi, je fais du kickboxing, je fais de la musculation. Donc, même malgré que j'ai un bon cardio, là, je suis fatigué. Je suis fatigué, il y a la chaleur, il y a les odeurs à supporter. Non, bravo. Ah ouais, ma liste n'a vu ça et osé. À tout de suite. Voilà, maintenant on mélange les deux choses, donc les haricots et les haricots et puis les feuilles des maniocs en français. En français, c'est pas beau. Il faut le dire en lingala, le Pondwa Madesu. Voilà, donc ceux qui ne connaissent pas le lingala, vous avez appris un mot. Parce que le tiramisu, on ne le traduit pas non plus. Donc pourquoi on devrait traduire nos choses? Donc le Pondwa Madesu, donc le Tchaka Madesu. Appelé Nchaki par moi-même. Donc voilà. Ok. Mais quand c'est un an à Congo, la Sakinga, il y a un kalinga kasu ma futa, a kani ma futa longoli solombesu, après vaccin du coup. Mais ce qu'on a pas en anda, pour que kalinga kaba ma futa solombesu, voilà. Et qu'on a évité na sala exactement de la sala. Voilà, to balusi. A tout à l'heure. Awa sikoyo, na bakisi. Ma faute, hein? Donc de l'huile de palme de nouveau. Mmh. En fait, on n'utilise que de l'huile de palme, quoi. Comme ça. Non, c'est la moitié. Ma faute à Nangaï. Et Bella. Et Bella. Et c'est bon. Alors oui, c'est gras. C'est calorique quand même, hein. Ah putain. Mais ouais. C'est bon. C'est bon. Hein? C'est trop bon. Nangaï. On a quand même le temps sans. Sinon, on va faire des amis. Ok. Ah ah. Ah ah. Uh-huh. All this, like this. Tu filmes, non? Oui, je filme. Ouf. Mais il est déjà cassé ton truc, c'est pour ça qu'elle souffre pas. La benda, kak benda. Tu veux que je tire quoi? Il est cassé. Il est cassé comment? Mais regarde là, il est enfoncé. Prends une autre bouteille, s'il te plaît, on s'occupera de cette bouteille un autre jour. Faut juste tourner, non? Mais ça tourne en vide. Ouais, c'est ça. Voilà. On a archi tendance des Suisses, archi tendance. Allez à Kabiloko et à Moka. Allez à Kabiloko et à Moka. Yo. Azo Lambanta qui m'a dit. Yo, Yakangon. Yo, Yébiangon. Et Zanagou. Et Zanagou.
So let's go. C'est bon? Yeah. Ouais, comme ça, il faut. Maintenant, on va. Ma foutre dans la bouche, je vais moto. Oh, qui m'a dit? Hein? Là, je suis là, t'inquiète. Ça n'a pas grave. Tchal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 
aspirer moi pour nous à YouTube, surtout du domaine hygiène pour nous, pour nos mamans, pour nos jeunes filles, nos jeunes garçons, et des choses aussi de ne pas faire, et des erreurs aussi des youtubeuses hein, et des youtubeurs, des choses mal expliquées. Et que ça peut nous donner des soucis dans la vie. Dès que nous on regarde, et moi je prends et je viens faire un vidéo pour aider et des autres. Peut-être que c'est manque le temps, manque d'explication, c'est stress, hein, c'est pas facile. Vraiment, je condamne vraiment beaucoup de gens qui vont là-bas pour laisser des faux commentaires. Et voilà, c'est pas facile, hein, c'est du boulot. Faut respecter le travail de toutes les moutons. Et ça la dit au et ça nous sala ceux qui nous ajoutent au sala vidéo tout et ça nous sala pour nous rebattre ça un plus même commentaire nayo même remarque nayo et ça en a plein de douceur quand même tout ça n'a pas leur fait à galette hein. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Exceptionnellement, c'est moi qui fais la conclusion puisque c'est moi qui ai demandé à apprendre à cuisiner africain aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que c'est super dur, c'est super long. Et très sincèrement, j'ai retenu pas mal de choses sur le poisson, mais genre sur les chakamadesu, je crois que faut que je refasse et je refasse. Mais en tout cas, je vais faire un gros big up à nos mamans et aux femmes qui prennent tant de temps pour nous faire cette nourriture et pour nourrir leur famille. Franchement, c'est un gros travail. C'est épuisant et c'est juste énorme. Donc, je vous montre à quoi ressemble mon assiette. Donc, voilà. Et ça sent super bon, les amis. Donc, vraiment, c'était énorme aujourd'hui. Alors, une chose, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager. Et s'il y a possibilité de commenter, n'oubliez pas de commenter. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. À une prochaine dans la chaîne de Maman Architendance. Aya Kabilo Koyamboka. Ya! Maman Architendance des Suisses. Architendance. Aya Kabilo Koyamboka. Ya! Yo, ya, ça fait yo. Oye, bisafou. Oye, bisafou. Oye, bisafou. Maman, hein? Yeah, archi tendance.